Ah, c'est ça.
لا أنا
Voilà, quand t'as attention à ce que tu as dit. Ah, nous tapons, toi. Nous tapons, toi, là. Nous faisons tout. C'est pour moi un insigne honneur et un immense plaisir de prendre la parole en ce moment solennel du lancement de la Semaine nationale de la femme tchadienne, édition 2021 à Mongo, chef-lieu de la province du Guéra. Je voudrais tout d'abord souhaiter la cordiale bienvenue et un agréable séjour à nos hôtes de marque, la ministre de la Femme et la forte délégation qui l'accompagne, les délégations venues de province du Tchad, pour célébrer avec nous cet événement de portée nationale. Nous nous réjouissons et félicitons la plus haute autorité du pays et en particulier la première dame du Tchad, Hinda Déby Itno, pour avoir choisi Mongo abriter l'édition 2021 de la Sénafête. Une semaine durant, la ville hospitalière de Mongo vivra au rythme des activités diverses et variées qui impacteront positivement le cadre de vie des organisations féminines. Madame la ministre, pendant cette semaine, les hôtes découvriront les secrets de nos arts culinaires, dont nous les invitons à goûter à nos mets les plus succulents, les kumranga, les amalmous, les kundjane et j'en passe. Ce n'est pas tout. Nous invitons nos hôtes de bien attacher la ceinture ou carap pour mieux sauter, se courber, s'agenouiller ou ramper au rythme de nos danses traditionnelles les plus réputées, la Dodi, la Nasana, le Amharba ou le Kurundung. Ainsi, cette période de brassage et d'échange permettra à nos hôtes de mesurer le degré de l'hospitalité légendaire qui caractérise la province du Guéra, dont le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, lors de sa visite en décembre dernier, qualifie la province du Guéra le modèle de la cohabitation pacifique. Tout en souhaitant plein succès à la Sénafête édition 2021, sous la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, je vous remercie pour votre aimable attention. À l'instar des autres nations du monde, notre pays s'associe à la communauté internationale pour commémorer la Semaine nationale de la femme et la Journée internationale de la femme édition 2021. De prime abord, je vous adresse mes chaleureuses salutations et mes vifs remerciements pour votre présence massive à cette cérémonie, manifestant ainsi votre ferme engagement pour la cause de la femme tchadienne et pour son épanouissement tant politique, économique, social que culturel. Profitant de cette opportunité, je voudrais souhaiter à Madame la ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, aux éminentes personnalités ici présentes et aux délégations venues des provinces sœurs, la cordiale bienvenue et un paisible séjour sur la terre hospitalière du Guéra. Madame la ministre, mesdames et messieurs, il n'est pas superflu de rappeler que par décret numéro 054/PR/MASF/90 et modifié par le décret numéro 186/PR/MASF
du 2 au 16 avril, les plus hautes autorités du pays ont intitulé la Semaine nationale de la femme cadienne, arrimée à la Journée internationale de la femme célébrée le 8 mars de chaque année. Dès lors, les femmes cadiennes, disposant d'un cadre d'expression, de réflexion, d'échange et d'expérience et de brassage. À cet égard, je tiens à exprimer à la première dame du CAD, Linda Deby Itno, ma profonde gratitude pour avoir bien voulu porter son choix sur la province du Guéra et particulièrement à Mongo pour abriter cette année les festivités de la Semaine nationale de la femme cadienne et la Journée internationale de la femme. En outre, ce grand événement est couplé avec le Forum national des femmes vivant au milieu rural, offrant ainsi aux femmes du Guéra une ultime opportunité d'échange de savoir, d'expérience et de culture avec leurs sœurs venant des autres provinces du pays. Mais référant au thème de la Sénafed 2021, à savoir engagement citoyen de la femme, force motrice du développement rural, inspiré de celui de la Journée internationale de la femme qui est leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19. J'ose espérer que les activités qui seront menées sur cette base pourront conférer aux femmes cadiennes toutes les potentialités nécessaires pour occuper la place qui leur revient des droits sur l'échiquier national en vue de jouer pleinement leur rôle dans le développement politique et socio-économique du pays. C'est le vœu le plus ardent exprimé par le maréchal du CAD Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, qui place la femme cadienne au cœur de ses programmes politiques depuis son accession à la magistrature suprême de notre pays. J'invite donc les femmes de la province du Guéra, mais aussi les hommes, jeunes et moins jeunes, à se joindre à leurs sœurs et frères venus d'autres provinces afin de participer massivement aux activités programmées afin de bénéficier amplement des retombées intellectuelles, sociales et culturelles de ces grands rendez-vous du donner et du recevoir, et donner un éclat particulier à la Sénafed édition 2021. Je suis heureuse et comblée de prendre la parole en cette circonstance solennelle pour lancer officiellement au nom de Madame la Première Dame la Semaine nationale de la femme tchadienne Sénafed édition 2021 dont le site national est la ville de Mongo, chef-lieu de la province du Guéra, réputée pour sa légendaire hospitalité. Qu'il me soit aussi permis avant tout propos de remercier chacune et chacun de vous pour cette gigantesque mobilisation qui traduit votre engagement à accompagner les politiques publiques en faveur de l'épanouissement de la femme. Avant de poursuivre mes propos, mesdames et messieurs, distingués invités, je voudrais rappeler qu'au courant de l'année 2020 et au début de cette année 2021, nous, femmes, avons perdu plusieurs de nos consœurs, les pionnières de la lutte pour l'épanouissement de la femme. Il s'agit de Madame Kad Elisabeth, ex-ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, Madame Bintou Maloum, ex-ministre de l'Action Sociale et de la Famille, Madame Nekinga Monique, députée de Gorée, Madame Ashta Mamatnour, députée de Maïhache, et Madame Maïmouna Diasnabaye, directrice du ministère de la Formation Professionnelle. Je voudrais vous demander très humblement d'observer une minute de silence en leur mémoire. Merci. À travers elle, je voudrais féliciter toutes les femmes partout dans le monde pour le rôle déterminant qu'elles jouent en apportant leur contribution au bien-être de leur famille et de leur communauté ou encore de leur nation. Monsieur le gouverneur, mesdames et messieurs distingués invités, chères sœurs du Guéra, en proclamant le 8 mars la Journée internationale de la femme, les Nations Unies ont compris la nécessité de bâtir un monde nouveau et pris de paix, de justice, d'équité et d'égalité entre les hommes et les femmes. Pour ce qui est du Tchad,
Depuis l'institutionnalisation de la Sénafed par décret, révisé par le 186-PR en 2002, le gouvernement, sous la clairvoyance du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a donné une nouvelle impulsion à cet événement qui a connu une réelle mutation. En effet, depuis le forum de haut niveau organisé l'année dernière sur les 30 ans de la Sénafed, celle-ci est appelée désormais à poursuivre les objectifs nobles et ne saurait plus être considérée comme une simple activité festive et folklorique. Elle est avant tout un moment de réflexion et d'analyse de la contribution de la femme au développement. Elle est ensuite une occasion de brassage entre les femmes des différentes couches sociales et de toutes les provinces du pays. Elle est enfin une occasion de renforcement de capacités. Donc à l'appropriation, j'en appelle donc à l'appropriation de cette institution par toutes les femmes sans discrimination aucune et à l'engagement des hommes à nos côtés pour conduire ensemble la bataille du développement durable où personne ne doit être laissé pour compte. C'est donc à juste titre que pour cette année, le ministère de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance a choisi comme thème principal engagement citoyen de la femme, force motrice du développement durable. Ce thème, mesdames et messieurs, répond aux défis auxquels nous faisons face actuellement. Il faut admettre, en effet, que les femmes sont des actrices du premier plan dans les secteurs de la vie et plus particulièrement dans le domaine de la sécurité alimentaire, de la gestion des ressources naturelles, de la gestion des conflits. Cependant, elles font face encore à beaucoup d'inégalités persistantes dans le domaine de l'accès à la terre et aux autres facteurs de production, de l'accès aux services financiers, de l'accès à certaines fonctions nominatives et électives. J'en passe et malgré cela, l'engagement sans faille de notre premier avocat, que je nomme ici le maréchal Idriss Déby Itno. Mesdames et messieurs, chères sœurs, dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 qui n'épargne aucun pays et dont les conséquences affectent principalement les femmes, nous, femmes tchadiennes, avons pu démontrer notre capacité de leadership dans la recherche des réponses à cette pandémie. L'exemple le plus patent parmi tant d'autres est celui de la création de la plateforme des femmes dénommée Zéro COVID. Cet exemple est vraiment édifiant et je dis ici félicitations à mes chères sœurs. Chères sœurs et mères, en sus des réflexions approfondies, vous êtes appelés à mener pendant toute la semaine. Vous aurez également à participer à un éventail d'activités, parmi lesquelles le Forum national de la femme rurale, le premier pour le Tchad, qui regroupe toutes les femmes des 23 provinces du Tchad. Vous saurez apporter une amélioration significative dans votre vie de tous les jours en participant activement aux différentes festivités marquant la Sénafed. Je vous demande de bien vouloir vous les approprier. Sortez massivement pour participer et prendre part activement aux différentes manifestations tout en respectant les mesures barrières édictées par le gouvernement contre la COVID-19. Avant de terminer mes propos, je voudrais adresser mes vives félicitations au gouverneur de la province du Guérard, au comité d'organisation nationale et locale qui se sont investis pour la réussite de cette première journée. Tout en souhaitant une meilleure Sénafed à toutes les femmes, je déclare officiellement au nom de Madame la Première Dame les activités marquant la Semaine nationale de la femme tchadienne édition 2021.
que cette année, la ville de Mongo a été choisie pour abriter la Semaine nationale de la femme, édition 2021. Et je suis vraiment très comblée, je suis contente d'avoir participé à cet événement, étant donné que je suis de la région. Je voudrais, en cette circonstance, remercier particulièrement la Première Dame pour avoir choisi la province du Guéra afin d'abriter la Semaine nationale de la femme et pourquoi pas aussi la Journée internationale de la femme. Les femmes sont sorties nombreuses avec leurs pancartes. Elles viennent de différents départements. Elles sont représentées ici et je suis convaincue que l'événement va être de taille. Elles vont être présentes tout au long de la semaine. شغل عن ما سوته لنا كما في لكن انين مبسوطين منا مره واحد الله يخليها يخلي لا ايالا ويخلي الوراء وراجلها كلها الله اجره والله يافد يخلم لا ايالهم فيشان اكون انين ده بيتنو جابنا وجروب جابنا ولما جابنا ما شاء الله دفعت جيتكم مشكورين معاكم وفرحانين بجيتان لاغوا ب 10 ان لاغوا 100% nihibua mara mishi habana niko nihibua mashaallah itu gadim karab tulena bigda anina ayaisku kampi waraku anina sokol halulena misil anab betal mar ada ma bi fi dunya ko min bedaina da min mata ana al muhaddisa di tawal foga awal da nin awin 30 bas ni namlu foga hasa kanna tawaro bigina kutar Allah ibari عافية أنا بلد ندورو وتمشي قدام وندورو السلام بين المزارعين وبين السيادة الخلة يسالموا ومشكلة بيناتي ميقى ما في أي والله يسائلنا ونمشي يا قدام وهين دليل الله يزيدها وينصرها في أي شيء تدور Thank you.